Bonjour à tous! Ah! Oh oui, le livre! Tiens, vas-y. Pose-toi. Je sais que t'attends que ça. Ah. Allez, pose tes petites fesses. Ouais! Ah. Hop! Bah alors? C'est dur de poser le cucu? Ah. Ouais! Alors, Poppy! Oui, ça y est, t'es bien installée là, mon ange. Donc, journée tout seul, enfin tout seul, moi et Eden. Il est 8h30, je crois. Eden vient juste de se réveiller tard. Je dépêche, mon ange. Oh, pomme, pêche, pois, abricot. Il y en a une, il y en a une. Pomme, pêche, pois, abricot. Il y en a une qui est de trop. C'est l'abricot. Oui. Du coup, Anthony rentre ce soir. J'ai Eden ce matin, là où il fait pas beau. Donc, c'est pas cool, mais bon. Il y va pour bosser, il y va pour voir la pluie et le beau temps, comme on dit. Il y a la pluie par contre. Moi je pars demain, on m'a envoyé ce vlog, je suis sur la route pour Paris. Je pars un petit peu plus tôt. Oui mon ange, tu veux qu'on rechante? Pomme, pêche, poire, abricot, il y en a une, il y en a une. Pomme, pêche, poire, abricot, il y en a une de trop, c'est l'abricot. Je pars plutôt sur Paris parce que je vais deux jours chez Rebecca, enfin deux jours et demi du coup, parce que j'ai regardé pour prendre le billet de train qui était moins cher, parce que sinon c'était 120 euros au dernier moment. Donc comment dire que non, je ne peux pas payer un billet de train à 120 euros. Oui, tu as vu, c'est des boissons, on a acheté des boissons pour petits. Faut qu'on le fasse ça un de ces jours. Pour aller aider Rebecca qui déménage. Je pense que si vous suivez. Ouh. Je ne veux pas me faire net, bon en même temps il n'a pas tort parce que vu ma tête. Pour aider Rebecca à préparer son déménagement, puisque comme son homme bosse tout le temps, elle malheureusement elle est un petit peu toute seule à devoir gérer tout ça. Donc je vais lui apporter un petit peu un soutien parce qu'un déménagement c'est toujours une source de stress. Mais du coup je ne vais pas voir mon bébé pendant plus de 6 jours, enfin plus de 6 jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, je rentre mercredi soir, tard. Enfin 20h, donc ce sera pas encore couché, mais 5 jours quoi. 5 jours complets sans voir mon bébé. Vraiment manque. Mais bon, c'est ça les amis, il faut savoir s'aider quand il y a besoin. Et ça me fait très plaisir de monter voir Rebecca. Et puis derrière, comme vous savez, j'ai le salon. Enfin, je devais déjà monter lundi, mardi, mercredi. Ça fera deux jours de plus, tout simplement. Donc papa va être avec bébé. Je crois qu'il m'a dit qu'il va monter chez sa mère. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Comme ça, au moins, il profitera de sa famille à ce moment-là. Il a bien raison. Ça y est, je suis en route. Eden ne voulait pas que je parte. Il se collait à la porte et râlait. Du coup, j'ai demandé à Tati de venir le chercher. C'est ma soeur qui le garde. Qui lui couvre après, du coup, ça allait, elle a fait diversion et oui, je me suis filée. Parce que sinon, ça allait couiner. Allez, on va courir sous la pluie à mon rendez-vous. On croise les doigts pour la maison, les filles. Je suis rentrée. Tati et Eden sont en train de jouer là-bas derrière. Je vous annonce avec joie que nous avons la maison. Vous allez dire, nous avons déménagé, nous avons la maison. Nous avons la maison. Et nous avons les clés de la maison le 15 décembre. Donc, nous allons déménager sous un mois. Donc, c'est génial. Le rythme va être intense. Je pensais pas qu'on déménagerait aussi vite. On va avoir une maison avec un grand jardin, mon ange. T'es content? Oui. Oh, c'est cool, hein? Oh, bah oui, au moins ça dit donc. Hein. Ah oui, mais ça, il joue très bien. Donc voilà, donc je suis très 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 contente. On est très 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 content et on a maintenant très hâte. Là, je vais monter sur Paris jusqu'à mercredi. En revenant, on va commencer les cartons et tout ça et tout ça. Et voilà, donc ça y est, je suis de bonne humeur pour le reste de la semaine. Eden est à la sieste, je suis en train de préparer. Si je vous mets là, vous voyez. Bon, je vous dépose au-dessus du frigo. Commencer déjà à tout préparer ce qu'il me faut faire pour le déménagement parce que c'est dans 3 semaines et que là je m'absente de demain. Donc de vous voyez au moment le vlog, je suis plus chez moi et je reviens mercredi soir tard. Tout ce qu'on a à faire pour le déménagement, donc je suis en train de tout noter. J'ai déjà enlevé tous les cadres chez moi qui pouvaient être. Parce que moi on n'avait rien fait dans le trou, mais il y a des choses que j'ai mis avec du scotch, je peux faire, j'ai tout enlevé, c'est tout parti nickel. J'ai regardé un petit peu, il y avoir 2-3 retouches de peinture à faire à gauche, à droite, mais rien de méchant. Donc il va falloir que je fasse la MAF pour l'assurance à part, l'assurance maison, parce que maintenant c'est une maison, assurance maison à faire. Ensuite on va devoir changer pour la box orange, déménagement box, ménagement box orange, parce que du coup nous sommes passés chez Orange, et bien on va leur faire bouger en moins de 15 jours. Ensuite
il va y avoir direct énergie, donc c'est là où on a notre chauffage et notre électricité à changer l'adresse, faire changement. Ça, je vais m'en occuper semaine prochaine. Donc l'assurance, ça, on n'a rien de plus. La poste pour donc changement, pour qu'on reçoive encore le courrier. Vous pouvez le faire sur 3 mois, comme ça moi ça me laisse le temps de pouvoir transférer ma nouvelle adresse à tout le monde, parce que là je vais pas avoir le temps de gérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire au niveau papier pour le changement? Il faut que je... Oui, il faudra se mettre après les changements d'adresse, je pourrais les faire au fur et à mesure, parce que depuis ça ne sera tout transféré. Je suis en train de penser les cartons, on fera ça la semaine prochaine. Bon, les cartons, ça se fait très vite, on est deux avec Anthony, donc ça va aller très très vite. Il y a un petit crapaud de réveiller de sa sieste là-bas. Tu nous fais des constructions, mon ange? Waouh, c'est joli ce que tu fais. Oui, tu peux être fière de toi, mon cœur. C'est très beau. Bravo! Boum! Oui! Il s'est réveillé, c'est 5h30. J'ai chargé parce que j'ai tourné une vidéo. J'ai levé les cheveux parce qu'il me saoulait. Comme toujours. Je vous ai pas montré, aujourd'hui on a reçu le petit kit des cheveux pour Eden. Tu me dirais de quoi tu parles? Non, parce que maintenant qu'il commence, enfin, c'est un moment qu'il y a une sacrée touffe sur la tête, hein, c'est pas nouveau. Mais du coup, habituellement, je prends un truc qui se tord les cheveux. Et ben ça, c'était de l'arrivée. Hein. Du coup, j'ai pris un petit kit cheveux spécial pour bébé. Comme ceci, dans une petite sacoche. Donc, c'est par Guiran. Et c'est de la marque Beauté Active. En fait, Guiran, c'était une boutique. C'est un grossiste, en fait. Moi, j'y allais pour le maquillage, essentiellement. C'est que je regardais jamais les cheveux. Et là, j'ai vu, pour les cheveux, pour les enfants, je me suis dit, en plus, la marque qui mettent dedans, je la connais. Alors, attendez. Hop, donc, c'est la marque Beauté Live Professional Kit. Donc, c'est un shampoing Happy Monster. Parce que c'est fait pour les petits monstres comme lui, là. Non. T'es pas un petit monstre? Si. Regardez, est-ce qu'il sait se brosser les cheveux? Il a droit à sa mini brosse comme moi. Oh, tu fais pour les cheveux? Tu te brosses les cheveux? Tu fais les cheveux? Waouh! Ouais. Oh, tu fais bien! Maman aussi. Et ça, juste, j'adore. Et donc, il y a un shampoing. Est-ce qu'il vient de sortir un démêlant? Bon, au démêlant, il n'y a pas grand chose à démêler là-bas dedans. Mais c'était l'offre en fait, c'était un ensemble. Du coup, je me suis dit, c'est pas mal, c'est des produits professionnels pour les enfants, adaptés pour les enfants. Donc, c'est super. En plus, ils ont mis une jolie petite pochette avec. C'est parfait, regardez. Oui, en beauté. Voilà. Voilà, Valou. Donc, on va tester ça tout à l'heure sur ta touffe. Oui. Oui, t'es déplé et tu veux piquer les produits, hein. Dès qui c'est qui est rentré? C'est papa. Papa d'amour. Je vais te grimper dessus, mon papa. Oh, ouais. Oh, ça a été dur, hein. Ah, ça a été dur, hein. Mon papa. Qu'est-ce que tu fais? Il te grimpe, il te fait pas mal en mettant son poids sur toi? Non. Il te grimpe vraiment dessus. Oula. T'es bien là? Tu fais le fou, là. Hein. Tu fais le fou, oui, hein, si tu tombes, non mais oh. Dio, 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 Di. Ah, oula, je pense que là tu t'es un peu coincé. Ouais, ça va être dur. Ah, heureusement que c'est souple ces bébés. J'ai retrouvé mon chouchou. Coucou mon amour. Bon, la journée se termine, je suis rentrée de tard, fatiguée, toujours été fatigant, hein, mon cœur. Ouais. C'était intense. Voilà, donc, on espère que ce vlog vous aura plu. Nous, on vient de coucher d'Eden, on couche le gros. Coucher. Ouais. On vous souhaite une bonne nuit et on vous dit à demain. Bonne nuit.